Coca. Ong, Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Kangekyu, vous avez déjà déposé à nombreuses reprises, vous avez déjà fourni beaucoup d'indications à la Chambre. J'ai cependant quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier un certain nombre de points. Tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne à la période où vous étiez à M13. Vous avez indiqué que on vous avait enseigné qu'il y avait trois catégories d'ennemis. Vous avez dit, c'était lors de l'audience du 20 mars, qu'il y avait tout d'abord des ennemis qu'il fallait convaincre de rallier les forces de la révolution. Vous avez dit, il y a ensuite une deuxième catégorie qui est celle des forces qu'il fallait neutraliser. Et vous avez dit, cette catégorie-là, c'était les gens qui hésitaient à choisir leur camp. Et vous avez dit enfin, il fallait isoler les ennemis les plus irréductibles et les éliminer. C'était la troisième catégorie d'ennemis. Le même jour, vous avez aussi déclaré que cette distinction en catégories, c'était la théorie, mais qu'en pratique, vous ne saviez pas si cette théorie pouvait être appliquée. Et vous avez déclaré ceci, notamment, en 1971, le parti nous a appris à établir une distinction entre les ennemis et nous-mêmes. Il fallait une distinction nette. C'était comme avec la situation par rapport au Sud-Vietnam. Nous étions dans les zones libérées, tandis que l'ennemi était hors de ces zones libérées. On nous a dit de ne rien faire qui soit associé à l'ennemi. On nous a dit de ne pas se livrer à la corruption. On nous a dit que la corruption, c'était le fait de l'ennemi. Et le parti nous enseignait qu'il fallait éviter ce genre de comportement. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est comment, ou est-ce que dans les faits, il était possible de concilier une politique qui, d'un côté, consistait à essayer de rallier une partie des ennemis, et d'autre part, une politique qui consistait à établir une distinction nette entre les ennemis et ceux qui faisaient partie de la révolution.
est-ce que il n'y a pas là une contradiction dans les faits? Quelle politique a été appliquée? Est-ce que c'est une politique que l'on peut qualifier d'ouverture ou est-ce que ça a été une politique d'exclusion? អរគុណជំរាបសួរលោកប្រធានចំពោះបញ្ហាឲ្យបែងចែកខ្មាំងជា 3 ប្រភេទនេះជាមេគីនយោបាយជាយុទ្ធវិធីដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងឯកសារសំខាន់ ដែលអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ 1960នៃពេលកំណត់បកនៅពេលនោះការរៀនសូត្រដែលខ្ញុំបានរៀនគឺរៀននៅឆ្នាំ 1967អំពីមេគីនយោបាយយុទ្ធវិធីនេះមកដល់ឆ្នាំ 1971 ខ្មាំងពេលនោះឲ្យតែចូលតំបន់រំដោះគេចាត់ទុកជាគិញដែលត្រូវតែកំទេចនៅពេលនោះឯងដែលខ្ញុំមានការរារែកទុកមនុស្សមួយចំនួនដែលខ្ញុំសន្មតថាមិនមែនជាគិញសម្រាប់បង្កបង្កានផល នៅពេលនោះហើយដែលក្នុងឆ្នាំ1900នៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំជួបប្រទះឧបសគ្គមួយគឺអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនោះគេបាញ់គុករត់ នៅពេលនោះឯងដែលខាងលើណែនាំថាអ្នកណាដែលគេបញ្ជូនទៅឲ្យមិត្តគឺសុទ្ធជាខ្មាំងដែលត្រូវតែវាយសួរចម្លើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1973 នេះឯងដែលវគ្គសិក្សាបានបញ្ជាក់ថាខ្មែរប្លែកអំពីវៀតណាម វៀតណាមគេអនុវត្តនយោបាយប្រតិបត្តិប្រទៀងជាមួយខ្មាំងនៅព្រៃនគរនៅភាគខាងត្បូងឯចំណែកយើងចែកឲ្យដាច់ឲ្យមានព្រំដែនវណ្ណៈច្បាស់លាស់រវាងខ្មាំងនិងយើងខ្មាំងត្រូវតែកំទេច សរុបមកសភាការវាបញ្ជាក់នៅក្រោយ 17 មេ 1975 រាជវង្សានុវង្សបើតាមតម្រឹងគឺកំទេចឲ្យតែជួបអត់មានបែងចែកទេ សូមបញ្ជាក់ថារាជវង្សានុវង្សដែលចេញទៅតំបន់រំដោះមាន 2 អ្នកក្នុងឆ្នាំ 1772 ចុង 1772 ឬ 73 ទី 1 គឺអ្នកអង្គម្ចាស់នរោត្តមភូរិសារាហើយនិងប្រពន្ធទី 2 ស៊ីសវត្តផាច
tới đồng bằng đó đôi khi hơi bục cột tí pí chúng có si sơ vật thạch có tới đồng bằng đó chúng muốn phù rì xa ra đài sắp tệ đầu tháng ngày mà phê bẩm bẩn mê xa xong tôi mà phê bẩm bẩn căn nhà mà bọn bẩm bẩn rồi chết sắp bẩm bẩn sắp tệ bọt bọt như vậy thả đội phù rì xa ra hai nâng niệm mà niệm phút lúc sẽ kênh lúc sẽ vì vậy vòng sân này vì vòng sân này vòng sân này hai chiếc rưỡi ấy ai đó về nước ấy bạn nhưng nhóm tôi không chấm đăng thọ phù rì xa ra tôi bay tranh tới chỗ không được bằng bọc cả đói tăng bị chặt pi cả đói trong chặt pi rồi đam chặt bay cả đói có tới thì cầm tịch tài sa rập máu đời sao bằng nhà đấy đời sao phó tăng đi mũi để dương khấm chưa thả để dương khấm chưa thả riêng chỉ bóng sang là bóng có cái cầm tịch đài mình bay chạy thì cái đấy phun mà chặt đấy kia rồi khánh kia cầm tịch đòi lại tam ông gặp hiệp mùi mùi ở thì họ anh sẽ là thông ấy bọc mắng kia ách bánh chai kia bày mềm đối với nét sờ máu cả bàn chạy khăm ăn chạy bay này mình lại khai chỉ từ đây tràn chiến une précision vous venez de parler de membres de la famille royale qui avaient été dans les zones libérées. Vous avez dit que ça s'était passé, je crois, avant 1975. Ce que je n'ai pas très bien compris, vous avez expliqué aussi que ces personnes de la famille royale devaient être éliminées, mais je n'ai pas compris si elles avaient été éliminées tout de suite, dès leur arrivée dans les zones libérées, ou si c'est un événement qui s'est produit par la suite. Est-ce que vous pourriez clarifier ce point-là? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour les Sarah, hai nâng Popon, hai nâng Sisabat Pai, tới đồng bằng đồng đó, จับตั้งปีจงชนำบอระจัดสปีหรือดำชนำบอระจัดสบายปะหายจะนึกชนำบอระจัดสบายขังเลือเอาบนเวทเป็นจูนตือโดยฉะนั้นก็ต้องนึกนำบอระดอกขนมคมเปี้ยมจับกุมปองตะลายเลือไข่กุมปองชนังบรรยุได้โดยเฉพาะกตนานุกบันยุดายตังร่ำบรรจุนตึในเปลือกบรรจุนตึนั้นย่อมดังตำดังถาวรเวสไลจีโยบริจุบองซานอบองสนาหาจิตสมบัติธรรมมันเหม็นสมเซนที่บนเป็ดอ
ដំណឹងអំពីរឿងពូរីសារ៉ាហ្នឹងខ្ញុំបាត់ក៏ប៉ុន្តែมันមានដំណឹងណាថាពូរីសារ៉ាស្លាប់ថ្ងៃពេកមុន17មេសាទេដូច្នេះពូរីសារ៉ាទៅនៅតំបន់រំដោះយូរណាស់ប្រហែលជាមុន17មេសាបន្តិចទើបគេកំទេចBien, donc ce que vous nous dites, c'est en tous les cas qu'il y avait une stratégie hein, qui, effectivement, visait à rallier un certain nombre de personnes, peut-être les personnes les plus marquantes, les plus importantes, à la Révolution. Quand on en vient à des personnes beaucoup plus ordinaires et à ce qui se passait, par exemple, à Amléan, vous, personnellement,Quand des gens venaient d'une zone libérée et vous étaient amenés à Amléan, est-ce que le simple fait de venir d'une zone, de venir en zone libérée, alors qu'on était dans la zone occupée par les forces républicaines, est-ce que ce simple fait suffisait pour soit considéré comme étantun espion et donc un ennemi. Est-ce que ça, c'était une politique générale? Je parle des gens ordinaires. Alors, je vais vous dire,ក្នុងឆ្នាំ1973ក្នុងឆ្នាំ1973នេះវាមានគ្រោះអាសន្នមួយក្របបែក B52 វាទម្លាក់នៅពេលនោះមានក្មេងម្នាក់ត្រូវគេបញ្ជូនពីតំបន់ខ្មាំងគឺពីឧដុង្គទៅដល់អមលាំងគេចាប់បានគេឲ្យមកស21សួរដល់ពេលសក់សុំទោសគេបញ្ជូនមកមត13សួរចម្លើយនៅពេលដែលសក់មត13សួរចម្លើយក្មេងនឹងវាឆ្លើយដាក់មនុស្ស4-5នាក់នៅអមលាំងនៅពេលនោះដោយសារក្មេងនឹងវាអាយុ12ឆ្នាំមិនទាន់ពេញវ័យគេក៏មិនចាប់អ្នកប្រមាណអ្នកនោះយកមកទេគេគ្រាន់តែតាមដានដោយឡែកក្មេងនោះគេឲ្យកំទេចនៅពេលនោះដែរបន្ទាប់មកបន្តិចទៀតមានក្មេងម្នាក់ទៅពីតំបន់ខ្មាំងទៅអមលាំងស្រុកកំណើតវានៅអមលាំងគេចាប់ក្មេងនឹងអាយុប្រហែលជាបើតាមខ្ញុំចាំដូចជា8-10ទៅ20ចន្លោះនឹង
រៀននៅថ្នាក់ទី 3 ជិតប្រឡងឌីប្លូមហើយ diplôme men baccalauréat te dal pel chap tới su chamlai khmeing nung khmeing nung chlai dak ke cham kì chậm vô mà ấy mò đập bay xuôi chậm lại bên tập màu miền bờ ra quay chậm nát mà nè quay chậm đàn mà nè ai dụp hai sai supply chậm rớt bộ quân kế máu ổn động Oui, on ne va pas entrer dans tous les détails de toutes les personnes qui sont allées à Himmler. Mais est-ce que d'une façon générale, vous êtes d'accord pour dire que la politique visant à rallier les ennemis, cette politique d'ouverture ne s'appliquait pas aux gens ordinaires? Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? Alors je ne comprends pas très bien, si cette politique de ralliement était appliquée aux citoyens ordinaires, pourquoi tous les citoyens qui avaient simplement franchi la limite entre la zone ennemie et la zone libérée étaient considérés comme un espion? Pourquoi? Est-ce que c'est compatible avec une politique d'ouverture? មាននយោបាយបើកទ្វារចំហររវាងតំបន់រំដោះនិងតំបន់ខ្មាំងទេ Donc vous nous expliquez qu'en fait les lignes stratégiques qui avaient été définies dans les années 60, la théorie telle qu'elle existait dans les années 60, concrètement, en 70, 71, à partir du moment où il y a eu des zones libérées, elle n'a plus été appliquée. Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Merci. Merci. Alors,
Je voudrais vous lire un extrait d'un document. Il s'agit d'un document qui a déjà été produit au dossier et qui porte la référence E3/189. Il s'agit d'extraits d'une déclaration adoptée à l'issue du Congrès national du GRUNC qui s'est tenu les 24 et 25 février 1975 sous la présidence de M. Khieu Samphan. En page 3 de ce document, on peut lire ceci. À l'intérieur du pays, le FUNC et le GRUNC, au nom de la nation et du peuple du Kampuchea, prennent en main la destinée du pays. Ils s'en tiennent à la politique de large union de toute la nation et de tout le peuple, sans distinction de classe sociale, de tendance politique, de croyance religieuse, et sans tenir compte du passé de chacun, à l'exception des sept traîtres. Pas les cités, c'est les sept super traîtres. Alors, vous, Douk, est-ce que vous avez été témoin de la mise en œuvre d'une politique d'union nationale acceptant dans son sein tout le monde, sans distinction de classe sociale, sans distinction basée sur des tendances politiques ou des croyances religieuses? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu ou est-ce que c'est la même chose que les lignes stratégiques? Est-ce que c'est que de la théorie? ខ្ញុំសូមគោរពលោកប្រធានហើយនឹងសូមបញ្ជាក់ជូនលោកការក្រុមថាមួយជាទ្រឹស្ដីគេប្រកាសជាចំហអញ្ចឹងគ្មានប្រកាន់វណ្ណៈគ្មានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ គ្មានប្រកាន់អតីតកាលអីទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវាមានចលនាមួយគឺចលនាជំនះប្រជាជន ហើយចលនាមួយទៀតក្នុងចលនាជំនះនឹងគេមានចលនាកំតិចដោយសម្ងាត់ដូចចក្រមលោកដូច Pour l'instant, je ne parle pas de l'évacuation. On parlera éventuellement de l'évacuation d'autres villes, mais je ne parle pas de l'évacuation de Phnom Penh, en tout cas. Je parle de ce que vous avez pu voir à Amleng et autour d'Amleng. Est-ce que vous avez vu mettre en œuvre une politique d'union nationale? Alors, je vais peut-être prendre des exemples un peu plus précis, parce que dans cette déclaration, il y a d'autres passages. Il est dit par exemple ceci, en page 4, me semble-t-il, à l'égard de tous nos compatriotes, de toutes les classes et couches sociales, les fonctionnaires, des fonctionnaires de tous rangs, de toutes catégories, des officiers et soldats, des agents de police de tous grades qui ont les uns après les autres abandonné l'ennemi pour rejoindre la zone libérée, le FUNC et le GRUNC et les organisations du FUNC à tous les échelons ont une politique juste d'aide et de soutien. Ils leur ont assuré des vivres
et des moyens de production qui leur permettent de mener une vie décente sans avoir besoin de recourir aux riels de l'ennemi. Compatriotes de toutes les classes et couches sociales, vivant à Phnom Penh et dans les quelques autres chefs-lieux provinciaux sous contrôle provisoire de l'ennemi, fonctionnaires de tout rang et de toute catégorie, officiers et soldats de tout grade, officiers et agents de police de tout grade qui se préparent à abandonner les rangs des traîtres pour rejoindre la zone libérée et le Funk, ne vous préoccupez pas des moyens d'existence et de travail qui vous seront pleinement assurés. Alors, je répète ma question, est-ce que vous avez vu mettre en œuvre une politique juste d'aide et de soutien à ces personnes? Merci. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous avez parlé des personnes évacuées. On vous a déjà entendu à ce sujet, et notamment vous avez parlé de ce qui s'était passé à Oudong, en 1974. C'était lors de l'audience du 20 mars, et vous avez dit notamment ceci. On vous pose la question. Saviez-vous si à l'époque les gens avaient le choix d'être évacués ou transférés? Et vous dites, au marché d'Oudong, il n'y avait pas d'exploitation agricole et donc les gens n'avaient pas d'excuses pour rester derrière. Ils devaient être évacués. Question: à quel point étiez-vous certain que les gens devaient être évacués? Réponse: je l'ai vu. Des camions étaient prévus pour évacuer les gens et c'était selon les ordres de Son Sen. Et vous dites aussi KW-30 faisait partie de ces évacués. Alors, vous nous confirmez que c'est quelque chose dont vous avez été personnellement été témoin. Vous avez vu. Est-ce que vous avez vu des camions qui étaient préparés pour évacuer la population d'Oudong? មេខ្ញុំបញ្ជាថាមិត្តបញ្ជូនមនុស្សទៅមកបញ្ជូនមនុស្សទៅមកចំនួនទៅជាមួយនឹងពួកគេពួកឧដុង្គដូច្នេះມັນមិនមែនតែមានតែការដប់លុយ 30ទេមានអ្នកផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកតែការដប់លុយ 30ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ការដប់លុយ 30ច្បាស់ Ce que vous nous dites, c'est que est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non il y a eu un plan, une organisation structurée pour forcer les gens à évacuer la zone d'Oudong à la suite des combats? គឺកងទ័ពដេវៃអូដុងនឹងជាអនុវត្តបញ្ជា
Vous avez expliqué ensuite que la plupart de ces personnes avaient été évacuées vers Kursat. Exact. Est-ce que lors de cette évacuation forcée, est-ce qu'il y a eu également des purges, des exécutions? អរគុណការជំនះលើកនេះពិតជាទៅពោធិ៍សាត់មែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចលនាជំនះលើកនេះគេយកទៅកំទេចប្រមាណអីប្រមាណខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែសក្តិកម្មរបស់កើតដល់លុយ30នៅទីនេះបញ្ជាក់ថាមនុស្សដែលចេញពីមាត់ 13 Je voudrais également aborder un autre point. Vous avez également, lors de vos précédentes déclarations, parlé de l'évacuation de Kampong Thom. Et vous avez dit que vous aviez pu discuter de cette évacuation avec un de vos beaux-frères. Je vais lire ce que vous avez dit à ce sujet. J'ai reçu certaines évacuations concernant l'évacuation de Kampong Thom. C'est mon beau-frère qui m'a fourni ces informations. Il s'agissait de Khao Lee Tongrot. Il m'a informé que les personnes avaient été évacuées vers la campagne. Il dit également, il m'a dit que l'évacuation avait été préparée, que les personnes qui avaient été emmenées en voiture allaient être écrasées, que les personnes qui étaient parties à pied allaient survivre, avaient survécu. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que vous confirmez cela? Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en ce qui concerne la préparation de l'évacuation de Kampong Thom? Quand est-ce que c'était? Ça s'est passé quand? អរគុណគម្រាបប្រសាទលោកប្រធានជំនះពីក្រុងកំពង់ធំក្រោយ 17 មេសាQuelle était la préparation? Qu'est-ce que c'était ces mesures de préparation de l'évacuation de Kampong Thom? អរគុណខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ទេគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ជូនតុលាការថាអាប្អូនថ្លៃខ្ញុំនេះធ្វើនគរបាលខេត្តកំពង់ធំនឹងដែរ Il faisait partie de la police du côté de la Révolution. Il était un membre du PCK. C'est ça? Vous a-t-il dit pourquoi ces gens avaient été évacués et vers quelle zone ils avaient été évacués? នៅក្នុងពេលដែលជំនះនឹងនិយាយពីគ្រូម្នាក់គ្រូបឋមសិក្សាម្នាក់ស្រុកកំណើតនៅស្ទូងគាត់
គេឲ្យគាត់ដើរគាត់មិនព្រមដើរគាត់តវ៉ាសុំជិះឡានដល់ពេលគាត់ជិះឡានអញ្ចឹងគេកំតិចVenons-en maintenant à ce que vous avez pu voir des personnes évacuées de Phnom Penh après le 17 avril 1975. Est-ce que vous, à Am Leang, dans la région d'Am Leang, vous avez vu des gens évacués de Phnom Penh et arrivés dans la campagne? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅអមលាំងដំបូងក្រោយពី17មេសាប្រហែលជា3ថ្ងៃឃើញមនុស្សរែកកញ្ជើទៅអរពុយខ្ញុំគិតស្មានថានេះគឺជាមនុស្សដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅក្នុងស្រុកកំណើតវិញក៏ប៉ុន្តែមកសន្ទុះក្រោយមកឮតំណឹងមកថាគេមានបង្កើតការិយាល័យមួយនៅវត្តកន្សែងសំឃុំអនលាំងស្រុកត្បូងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទទួលដំណឹងថាកន្លែងហ្នឹងគេសម្រាប់ចែកមនុស្សមួយចំនួនណាដែលត្រូវយកទៅកំតិចមួយចំនួនណាដែលຕົកបញ្ចូលក្នុងសហករណ៍ភ្នោនៅក្បែរវត្តកន្សែងសំជាផ្ោះតាងVous aviez dit, parce que vous êtes déjà exprimé à ce sujet, vous aviez dit que quand les gens étaient arrivés à Am Leang, on leur avait demandé quelle était leur occupation, leur métier, leur, peut-être même leur biographie. Et ensuite, ils ont été répartis en groupes distincts, c'est ce que vous avez dit.Et vous avez dit, certaines personnes ont été amenées à un endroit, d'autres à un autre endroit. Et ce que vous nous dites, c'est que elles ont en fait été amenées à un bureau. Et c'est à ce bureau-là qu'on décidé si elles devaient être exécutées ou pas. C'est bien ça. ហើយនឹងមនុស្សដែលយកទៅបញ្ចូលសហករណ៍ចក្រមQuand est-ce que vous avez commencé à entendre que le peuple du 17 avril devait être placé sous le contrôle du peuple ancien, du peuple de base? Quand est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce qu'il y a eu des discours, il y a eu des formations? Comment ça s'est passé? ដំណឹងនឹងដូចខ្ញុំដឹងពីខាងអមលាំងមកមុនហើយបានក្រោយមកមានឯកសារបញ្ជាក់នៅពេលរៀនសូត្រវគ្គថ្ងៃ25មិថុនា1975
Donc la séance de formation, vous étiez déjà arrivé à Phnom Penh ou vous aviez déjà eu cette information avant d'arriver à Phnom Penh? Est-ce que dès que les premiers évacués de Phnom Penh sont arrivés à la campagne, est-ce que déjà il était prévu qu'il devait être sous le contrôle du peuple ancien? ខ្ញុំមកភ្នំពេញច្រើនលើកដំបូងគឺមករៀនវគ្គដល់ក្រោយមកខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញប្រហែលជាខែ 7 ខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញដល់ពេលហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងរឿងថាប្រជាជនថ្មីស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនចាស់ ឥឡូវនេះដល់ពេលសំរមមនឹងសម្រាប់ដើម្បីពិសារថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 6:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការអនុរិយអំពីកំខាំងឲ្យនាំសាក់សីទៅកាន់បន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងប្រដៅទៅកិច្ចកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដានការនេះនៅរសៀលនេះនៅម៉ោង Some got chill.